Bonjour. J'ai même envie de dire bon matin, plutôt bon midi. Puisque il est midi et demi, midi 36 même. Monster Hunter sort dans 1h30. Enfin, dans 1h30. Vu que c'est la version américaine. Donc avant de disparaître pour rejoindre Monster Hunter, je me suis dit que j'allais reprendre un petit peu Iconoclast. Parce que la prochaine fois que je vais jouer à Iconoclast, je ne sais pas trop quand ça va être. A mon avis, ça va mettre du temps. Alors, où est-ce qu'on va aller ? À gauche, on peut pas. Il y avait une sorte de truc de boule là. Ah voilà. Donc on va continuer par là et on va bien voir. Ah bah non. On peut toujours pas changer de personnage. Bon bah on va aller en bas. Je vois que ça. Donc lui, c'est avec la boule. Bon, on va faire passer la boule comme ça. Merde. Voilà. Non. Non plus. Non plus. Au niveau de la courbe, là, c'est chaud. Est-ce que je peux la voir avec ça? Parce que je peux pas tirer dans l'eau. Bon. C'est quoi ça? Ah, d'accord, c'est ça. Ok. C'est sympa ces mécaniques, dis donc. Ça change des Metroidvania classiques. Oh putain, je t'avais pas vu toi. Allez, vas-y. Quoi? Bah. Ah ok, on peut pas la tuer. Ça va activer quoi ça? Comme ça, ça marche? Non plus. Est-ce qu'il faut le mettre en bas, en fait? Ça doit être ça. On va voir. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, putain! Oh. Voilà. C'est sympa ces petites énigmes quand même. Bon, c'est pas du portal, mais c'est pas désagréable. Ah. Ok. On est paré. Oula. Donc alors. Mais je vais faire comment pour revenir moi? Ah d'accord, faut recommencer en fait. Faut repartir en bas, ok. D'accord. Du coup on est passé par là, hop. Est-ce qu'on peut y aller direct? Oui.
Ah, ben voilà. On arrive de l'autre côté, du coup. C'est parfait. Attendez. Est-ce que j'aurais loupé un truc là? Y a un passage ici? Ah, d'accord. D'accord. Nous, on est arrivé par en bas. Il y avait un passage ici. J'ai pas fait gaffe. Heureusement que. On vient de s'en rendre compte. Je vois pas trop à quoi ça sert, ça. Ah, d'accord. Si. C'est parce que c'est de l'eau. D'accord. Donc, toi, on va essayer de te tuer. On va essayer de te tuer deuxième volet. On va essayer de te tuer troisième volet. Merci. Ouh la vache. Je peux tirer en diagonale, moi? Ah ouais. Là. Est-ce que on peut envoyer la boule en bas? Ça va être chaud. Non, tu déconnes. Bon, je crois que la vidéo va s'arrêter là-dessus. On va passer 50 minutes pour avoir le coffre. Alors, si je me mets là et que je tire en haut, ça marche pas. Là, ça marche pas non plus. Non, mais attends, mais c'est... C'est une blague, là. Il faut que ça s'arrête pile au milieu? Non! C'est impossible! C'est pas possible! Ou alors faut le faire partir de là? Elle va forcément aller à droite la boule! Wouah! Et vu que là, il y a l'impact en fait qui est indiqué en dessous, donc c'est forcément la boule en dessous et pas au-dessus. Ouah, c'est super chaud la vache! On peut pas faire péter les bombes avant? Bah non. Alors là. Oh! Merde. Ouais, c'est chaud! Non, mais c'est abusé là. Non, là j'ai trop. Je vois pas comment on contrôle la vitesse en fait. Ah, peut-être comme ça, non? Non, pas du tout. On peut pas les faire péter en avance. Si au moins on pouvait les faire péter un petit peu en avance, je pourrais comprendre. Genre pile au moment où elle passe, on la fait péter. Mais là? Oh! What? Pourquoi s'arrêter en plein milieu? Qu'est-ce que c'est que ce... Ok. Pourquoi la boule s'était arrêtée en plein milieu? C'est au petit bonheur la chance en fait. Bon là j'avoue que c'est pas top par contre. Hein. Alors peut-être qu'on va avoir une compétence qui va nous permettre de faire péter les bombes n'importe quand, je sais pas. Mais si c'est comme ça en tout cas, je ne suis pas fan. Ça me fait chier un petit peu, mais bon.
Je sais pas si on peut revenir après aux anciens endroits. Ah, fait chier, merde. Bon, tant pis. Fait chier. On verra. On verra plus tard parce que là, franchement, je vois pas. Putain, vite, vite, vite. On va sauvegarder, déjà. Alors, attendez. Je réponds juste à un message. Ce jour de la sortie de Monster Hunter, voilà, y a les gens ils sont en ébullition et tout au Japon, hein, voilà. Donc, je crois qu'il fallait aller à droite, me semble. Je crois que c'est ici, hein. Voilà. Ça aussi, je sais pas vraiment comment ça marche. Non, peut-être qu'on peut faire péter les bombes quand on veut. Je sais pas, on va voir. Là, on va aller au labo, donc peut-être qu'on aura des réponses. Oula. Ouais, qu'est-ce que tu dis toi? Ils nous mettent des tutos de tutos de tutos. Ah oui. Mais comment j'ai fait pour sauter si haut? Attendez. Ah non, c'est parce qu'elle s'est approchée, d'accord, j'ai eu peur. Ah, j'ai eu peur. Oh. Ouais. Oui. Pas mal, madame les graines. Placer la caisse ici. Non. Oui. Voilà. En haut vers les appartements. Ah.
permet de faire tourner la clé plus longtemps. Est-ce que c'est vraiment utile? Ou encore un cœur de fer. Second souffle. Mais en fait, on les a déjà encore, hein, ces second souffle et cœur de fer. Et vous nous proposez ça à chaque fois ou quoi? On va prendre Axe. En attendant, pied léger. Ah, mais c'est... La couleur a changé, non? Ouais, c'est parce que c'est en vert. Peut-être que c'est en vert parce qu'on peut pas, je sais pas. On équipera Axe quand on verra une statue de sauvegarde, n'est-ce pas? Continuer en haut d'abord. Bah. Voilà. Mais à quoi il sert le... Il n'y a rien ici, protéger un endroit où il n'y avait rien. Serions-nous bloqués? Comment on fait pour aller en bas? Ah, par là? Ah! Ah, bah voilà! Salle de combustion. Donc là, j'ai pas de clé, on est d'accord. Donc, à changer les modifs. À la place. Ouais, à la place de ça. On va voir. Ouais, ça fait une sorte de bouclier un petit peu plus long. Sauvegarder. On sait jamais. Ce niveau est plus grand que ce que je pensais quand même. Oh, joli. Je sais pas si je peux l'avoir lui. On peut pas s'agripper. Donc on va ouvrir la porte à gauche. Excellent. J'adore le bruit. Pa. Il doit être comme moi fan de bruit comme ça. Tout ce qui est bruit d'explosion là. Ah putain. Merde. Voilà. Non. Alors je me demande ce que c'est que ces ennemis. Ouais.
ça doit être au-dessus, ça doit être le niveau du dessus, je pense. Oh la vache, mais c'est immense! C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais, dis donc. On va se perdre, là. Parce que ça, il faut le faire augmenter en haut, mais il faut d'abord faire bouger ça. Ça va où? Merci, c'est gentil. Moi aussi, je t'aime. Ok. Et donc lui, il revient. Pourquoi pas? Oula 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 oula. Alors attendez, là il va falloir avoir une vue d'ensemble sur la salle. Parce que là, tout à l'heure c'était pas portal, mais là ça commence à l'être. Et c'est pas pour me déplaire. Par contre toi tu me déplais un petit peu le machin. Ah, notre ami il a réussi à se téléporter, on sait pas trop comment. Est-ce qu'on peut faire cette énigme dès maintenant, en fait? C'est ça aussi le truc. Ah. On va déjà mettre une bombe ici. Bon, là on est d'accord, on peut pas. Tu commences à être chiant, toi. Hein. Et ça fait quoi, ça? Je comprends pas ce que ça fait en fait le truc de tout à l'heure. Ah, c'est pour passer sûrement, d'accord, d'accord. Mais ça sert à quoi en bas? C'est pour aller plus vite? C'est très chelou quand même. Ça doit être ça, ça doit être pour aller plus vite en fait, pour revenir à gauche. Bon, on va voir, on va essayer. On va voir, là... On met la bombe maintenant. Non ? Ok. Oh putain ! Ah c'est bon. Ah mais ça devait être ça, hein. C'était ça. Donc ça on va le faire remonter du coup. Ah c'est sympa ! Ah, oula vache, j'ai eu peur. Hein ? Ça redescend. Ça c'est quoi ça? Ok, on fait venir ça. Est-ce que c'est encore pareil?
Ah merde, on peut plus revenir. Je crois que j'ai compris. J'ai compris, je crois. J'ai compris. Je crois que j'ai compris. En fait, ça, on va le faire venir. On va faire venir la plateforme violette, on va passer dessus. Et en utilisant la plateforme violette, on va passer sur la partie droite de la plateforme verte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, comment on fait ça? Hop. Hop. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Triniclé. Ok. Mais c'est tout ce qu'il y avait ici. Ah bah non. Il y a toujours le truc du milieu là. Ah, c'est pour pouvoir remonter. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Donc bon, la triniquelée, on va essayer de trouver ce que, à quoi ça sert. Merde, mais le con. Mais le con. Ah. On va jouer au tennis. Allez hop. Putain, mais il tire trop bas en fait. Faut pas sauter, il tire trop bas. Mais non, mais... Oh là, si, il faut sauter en fait. Mais il faut sauter pas très très haut. Ouah. Est-ce que je peux le tuer avec une bombe? Parce que tu commences à me faire chier là. Bon. Attendez. On va essayer de sauter. Je sais pas trop comment. Ah d'accord. Je pensais que les bombes en fait ça rebondissait sur lui. Bah voilà. Merde. Ouh la vache. Ok. Non mais attendez, il y avait pas un truc à droite là? Il y avait un truc à droite, il me semble. Non? Comment on fait pour aller en haut? Oh là là, je suis perdu. Pas un truc caché en, à droite? On dirait pas. Bizarre. Merde! Le con! Le con!
Ah! Pas bon ça, c'est pas bon. Voilà. Non, bah apparemment à droite il n'y a rien, donc on va repartir. Ça veut dire que c'est un passage dans l'eau en fait. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en bas. Alors attendez, je vais regarder la petite Xbox comment elle se porte. Ok, on est bon. Reste encore. Je pense que j'ai continué à jouer pendant une trentaine de minutes. Et après, voilà, vu que Monster Hunter sera quasiment sorti. Non, mais attendez. Faut retourner en haut là en fait. Parce qu'on a eu la clé Trinité. Oh putain, il en reste deux autres. Bah non. La ville de Mina a été envahie. Retrouvez les sentiers effectivement des clés. Est-ce qu'il y avait un truc en haut? Qu'est-ce qu'il y avait en haut? Ah, est-ce qu'elle peut ouvrir la porte? Non. Mais... Oh mais... Saloperie. Bon, c'est pas là. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris avec ça? C'est pas possible. Non, on peut pas. On va retourner... Bah non. Parce qu'on peut même pas retourner au village. Vu qu'il est attaqué. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? On va voir. Le passage dans l'eau de tout à l'heure, là où on a ouvert une porte, peut-être qu'on peut y aller par là. Peut-être qu'on peut y aller par là. J'ai pas l'impression. Ah non, 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 non. Y'a rien ici pourtant. Non, mais y'a rien. Allez! Dépêche-toi. Bah non, on vient ici donc. Merde! Ah, c'est bon. Cette petite plante me fait penser au boss plante de Cuphead. Je sais pas pourquoi. Il est con. Il est con. Il est con. Il est con. Bah non, non. Et donc là, on a toujours la boule maudite.
Donc là, on a eu la clé. Là, il y a le point de sauvegarde. On va sauvegarder d'ailleurs encore une fois. Mais c'est pas en sauvegardant que ça va nous donner la solution, n'est-ce pas? On arrive où là? On va être bloqué, non? Bah oui, on est bloqué. Waouh! On est bloqué. D'accord. Alors là, on a eu la clé. La clé, la triniclé. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse avec cette clé? La caisse. Bon, même si on pouvait la péter, de toute façon, c'est juste pour un coffre. Donc, mais... Putain, c'est vraiment au millimètre près. Les hitbox, elles sont bien faites. Si on touche pas l'ennemi, on le touche pas. C'est au nanomètre près. Là, on est d'accord, en haut, il n'y a rien. C'est bloqué. En bas. Je vais arrêter de parler pendant 30 minutes. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Ça arrive de pas voir. Ok, donc on va empiler les caisses pour faire péter les trucs. Ça, je veux bien. Bon. On va péter les caisses. Enfin, on va péter les caisses. On va les empiler. On est ok. On est ok. Mais what, c'est quoi ce jeu? C'est un jeu de ouf. Ah ben on a une clé en fait. D'accord. D'accord. J'ai rien dit. J'ai eu peur. J'ai cru qu'on allait être bloqué. J'avais pas fait. On l'a eu la clé d'ailleurs. Est-ce que c'est la triniclé de tout à l'heure? C'est bizarre ça. Comment on a fait pour obtenir la clé? Allez, viens ici. Voilà. Oh putain. Bon, lui c'est le deuxième. Voilà, papy. Bah non, la triniclé c'est pas une clé. On avait dû avoir une clé quelque part et je m'en souviens plus. Donc il nous manque une triniclé. Ah bah voilà le passage qu'on avait débloqué tout à l'heure. Et ça, ça nous mène où? Putain mais monte. D'accord, donc ça va débloquer le passage ici. Ok. Ok, moi je veux bien. Est-ce que là il y a un truc spécial? Ouah! Il n'y a rien de spécial en fait. Mais on n'était pas allé dans la salle en dessous là. Mais c'est vert.
De toute façon, là je crois qu'on a rien à faire. Enfin, on n'a plus rien à faire. Mais non, non, je voulais pas te parler. Non. Bien sûr. Ah ah! Nous sommes bloqués! On s'est bloqués. Hein? Bon, tant pis. On va se faire toucher. Ah bah non, même pas! Oh la vache! Putain, la Xbox! La Xbox! Oh ouais, la Xbox! Elle est trop bien! La Xbox est super bien faite. Waouh, c'est impressionnant. Dans un autre jeu, on se serait fait toucher. Hein. C'est vraiment au millimètre près, quoi. Chapeau! Chapeau mec, je sais plus, c'est Joachim, je crois qu'il s'appelle. Chapeau. Ah bah oui, on avait oublié la clé, le con. On avait oublié le principal. C'est vrai que la clé, si on la prend pas, on va être dans la merde après. Vaisseau ancestral. Est-ce qu'on peut... ouais, on peut péter les rochers avec la bombe. Voilà. Par contre, là... Ça veut dire qu'on doit pouvoir passer en haut. Est-ce qu'on peut passer au-dessus de ces mines? Ça me fait peur. Ah, c'est bon. Ah, bah voilà. On est débloqué. Oh mais... Bon ça, on devrait pouvoir finir ce passage, je pense, avant la fin de la vidéo. Qui va être très sympathique, ma foi. Comme ça, on pourra commencer sûrement une quatrième vidéo sur une toute nouvelle zone la prochaine fois, vers la maintenance électrique. Putain, mais il y en a partout, là. Mais... On va d'abord sauvegarder, on sait jamais. Il y a pas mal de points de sauvegarde aussi, hein. Il y en a beaucoup plus que dans les autres Metroidvania, j'ai l'impression. Après c'est pas plus mal. C'est pas un point négatif. Bon, on va changer d'arme. Hein. Les bombes commencent à me faire chier. Ah, on pourrait passer à droite. Je sais pas. Ah non, on peut pas. On ne peut pas. Ah, c'est pour remonter en fait. D'accord, d'accord, d'accord. C'est pour remonter plus vite. Il aime bien les trucs plus vite. Ok. Ok. Il n'y a rien de spécial. Au final, ouais. Je trouve que ce truc d'équipe, j'arrive pas trop à comprendre ce que c'est. C'est bizarre quand même d'avoir un autre personnage dans son équipe et on peut pas s'en servir. C'est un concept assez étrange. Ça sent le boss. Merde. J'avais pas fait gaffe. Ah bah voilà. Le dernier scientifique. Donc maintenant on a 3 triniclés.
Boss. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, tu peux pas la toucher quand elle vient d'apparaître. Bon. Je suppose que on va devoir les tuer. Ah. Voilà. Est-ce qu'on tombe? Ah bah on peut pas tomber. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Ah là par contre c'est mal fait. Oh, ah là. Ah mais voilà, d'accord. On peut le voir, ouais, quand on saute. Mais c'est mal fait. Là par contre c'est mal fait. Là c'est très mal fait. J'ai cru que c'était un trou. Là depuis qu'on a commencé le jeu c'est... le seul point négatif au niveau du design que j'ai pu voir. C'est pas très très clair là quand même. On va changer d'arme. Voilà. Et on va re-sauvegarder. Et quelle heure? 23. Bon allez, on se donne 15 minutes, une quinzaine de minutes. Et on va arrêter. Espérons qu'on va pas avoir un gros boss. Du coup, faut aller où là? On n'était pas venu ici. Hein. Encore? Non. Oh là là, mais il y en a plein en plus. D'accord. D'accord. Allez, vas-y. Ouah. Mais non. Mais non. Mais non. Bon. Ces trucs de flammes de feu, ça me rappelle... enfin, les flammes de feu, hein, les flammes bleues. Ça me rappelle un personnage d'un jeu de combat. Je me demande si c'était pas Fatal Fury où il y avait un personnage qui faisait des flammes bleues comme ça. Ou peut-être King of Fighters. C'est qui faisait des flammes bleues comme ça? Voilà, on est bon. On est bon. Ok. Apparemment, faut aller à droite. Hein. On va quand même aller à gauche. Si on peut... ah non, d'accord. Si on va à gauche, on va tous retaper, donc non. On va aller à droite. Et à mon avis, on va peut-être avoir un boss. Ça m'étonnerait pas. Oui, d'accord. Mais on a les trois clés, donc... D'accord. Ah d'accord. Ouais, c'est chaud du cul là quand même. Bim. Ah ah. Je me suis chié. C'est pas du tout ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Mais non. Bordel, mais c'est pas vrai. Mais tu vas y aller, oui. En fait, faut qu'on y aille nous aussi, parce que sinon...
Waouh. Les allers-retours. Espèce de salopard de développeur. Ok. On va faire comme ça. Donc, ça, ça va là, on est ok. Ça, ça va partir en haut, on est ok. Ça, on le fait plus partir, j'imagine. Là, ok. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Et là, comme ça, on peut passer. Ok, ok. Ah merde! Il y avait un lit. J'avais pas vu. Du protecteur, c'est un boss, ça, non? Ah, d'accord. Pas mal, la comparaison. Serrage. Tu veux que je serre quoi? Il faut faire, il faut mettre la plateforme à gauche pour pouvoir serrer, c'est ça? D'accord. Je suis pas sûr. Stopper la main. Ok, vas-y, je te tope la main là. Ah, ben voilà. Ouh la vache. Comment elle se joue, elle? Vas-y, je te tope la main là. Et il faut faire quoi là? Oh la vache, mais il continue en boucle. Ok, je te tope la main. Ok, on va le refaire là-bas. Ah merde. Est-ce que je peux le faire de l'autre côté? Ah putain, d'accord. La vache, c'est quoi ces boss? Putain, le mec il a vachement bien réfléchi au niveau des boss. La vache. Waouh. C'est super impressionnant, dis donc. Ah ouais. Vas-y, je te tope la main, là. Oh, putain. Elle est super chaude à utiliser, elle. Vas-y, je te tope. Allez, hop. On va peut-être enfin pouvoir changer de personnage après ça. Et merde. Ouais, au niveau du fusil à pompe, c'est chaud quand même à utiliser. Hein.
Cool. Est-ce que, du coup, on peut changer de personnage? Non. Bon, peut-être quand on va réactiver l'interrupteur, je ne sais quoi. Le câble. C'est la faute du câble, toujours. Nos amis. Tiens, il y a Cyclope d'X-Men. Là. Mais merde! La boule est partie trop loin! On va devenir ma boule! Voilà! Merde! Là c'est bon, on est bon! Là on est bon! Et merde. Non. Waouh. Putain, mais tu vas rentrer là-dedans, oui? On se met là. Voilà. D'accord, c'était le max. C'est le max là? Mais comment on fait pour toucher le truc en haut? Attends, on va lui envoyer des bombes à l'infini. Ah d'accord.
Ok. Alors là, parce qu'en bon en haut il y a une porte, mais putain, envoie ta boule sur le côté, bordel. Voilà. Ah ouais, ça traverse. Ça traverse. Mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse là? Je comprends pas. Parce que ça c'est poussé au maximum, le truc on peut pas le pousser plus. Ça là-bas on peut pas le pousser non plus. Bah ouais. J'ai dû louper une commande. Bon bah je ne sais pas. Là je ne sais vraiment pas. Ou alors, avec les missiles, c'est ça qu'ils veulent qu'on fasse? D'accord. D'accord. J'avais oublié le missile. Putain, mais le mec c'est pas que Cyclope en fait. Il fait de la glace et tout quoi. Ah d'accord. Ah ouais, bien sûr. Ok. Ah pas mal. Donc là je suppose qu'on doit résister. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah tiens, c'était pas ce qu'il nous fallait là? La sorte d'argile. Ah.
Effectivement, on va retourner. Ah putain, c'est rapide, hein. En 2 secondes. Quoi? Ah, tu veux que je refasse ce truc avec la machine? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon bah voilà. Et on va s'arrêter ici, hein, parce que ça a duré plus longtemps que prévu, il est déjà 45. Donc moi je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine vidéo sera sûrement dans plus longtemps, mais bon vous, ça va pas vous affecter beaucoup vu que ça sera sur YouTube pour compte-gouttes. Donc moi je vais aller jouer à Monster Hunter et si je peux... J'essaierai de faire des vidéos sur Monster Hunter, mais c'est beaucoup moins sûr, parce que c'est plus chaud. Donc je vous dis à la prochaine, et amusez-vous bien. Bye bye!